si vous engagez, vous pourriez peut-être demander à quoi vous engagez. Vous voyez, les types sont tellement extraordinaires, ils disent, oh, je m'engage. Bon, dans l'armée, quand on s'engage dans la Légion, on ne demande pas ce qu'on va faire. On part et puis on dit, je suis foutu. Bon. Alors nous, on est des petits. Alors, nous, on s'offre à l'amour miséricordieux. Et Jésus est encore bien plus content. Parce qu'il dit, au moins, ils n'ont pas du tout d'amour propre. En disant, vous voyez, je suis un grand type, je meurs, Seigneur, pour toi. Non, on dit, Seigneur, je voudrais bien mourir, mais je n'arrive pas. Voilà. C'est à côté de l'Emmanuel Comtel qui a demandé officiellement au cardinal de Paris l'introduction de la cause de béatification et de canonisation. Et donc, l'Académie est l'acteur de la cause. Et la première chose qu'a fait le modérateur, à l'époque c'était encore Dominique Vermerche, c'est de nommer le postulateur qui, donc, lui sera chargé. Le postulateur de la cause de canonisation est un peu, autrefois s'appelait l'avocat. C'est celui qui prépare tout le dossier, qui défend les arguments, et en face, il y a un tribunal qui, de façon objective, essaye d'auditionner les témoins, de chercher les éléments éventuellement défavorables. Et bon, c'est un processus qui dure quelques années. Je sous-signais Francis Cône. Je jure que, faisant abstraction des personnes, je remplirai avec fidélité et diligence la tâche qui me revient dans le procès informatif sur la cause de canonisation du serviteur de Dieu, Pierre Boursin. Que Dieu me soit en aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de la main. Ayant très bien connu Pierre, à la fois j'ai senti ça comme, non pas un honneur, mais une grâce, et puis l'occasion d'approfondir, enfin avec du recul, parce que ça fait quand même 20 ans qu'il est mort, puis moi je l'ai connu il y a 40 ans, hein, plus de 40 ans, donc d'approfondir tout ce qui a été vécu, et personnellement avec la communauté. C'est tout ce qui peut concerner la vie de Pierre. Alors ça, c'est un travail de détective, d'historien, et puis, mais pour l'instant, c'est la collecte. Ça se passe à côté de la basilique. D'abord, Pierre était un homme de l'oral. Enfin, c'était très peu un homme de l'écrit. Comme c'était les débuts de la communauté, que c'était pas, on l'a dit, la grande organisation, et que Pierre, lui, n'était pas du tout un esprit d'archive, pour un procès de canonisation, ça ne suffit pas. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens, qu'il y en a un certain nombre de gens de la communauté, il y en a beaucoup qui ont connu Pierre, même un peu, qui n'ont jamais témoigné, et des gens de l'extérieur. Alors, où on va enregistrer les gens, avec un petit magnéto, ou par téléphone, où on les invite à écrire, mais ça, c'est un travail aussi, mais c'est aussi passionnant. L'Emmanuel est cette communauté dont on ne connaît pas le fondateur. La tendance humaine, c'est toujours de mettre en valeur les responsables, c'est normal, y compris dans l'Église. Et Pierre a toujours eu, lui, ce désir de s'abaisser devant Dieu, de s'effacer devant les autres. Et même comme responsable, il n'encourageait pas le culte de la personnalité. C'est pour ça que Pierre était assez peu connu, et encore assez peu connu. Et le fait qu'il ait renoncé librement de son vivant au gouvernement de la communauté, et l'ait préparé, Pierre et savait qu'il fallait transmettre le flambeau de son vivant, pour que précisément ça continue. Alors Seigneur Jésus, aide-nous, hein, vraiment, aide-nous tous. Ah ouais, vraiment, fais qu'on ne s'endorme pas, parce que c'est pas la peine d'être la plus grande communauté d'Europe, d'ailleurs je ne sais pas si c'est vrai, si nous n'avançons pas, ça sera exactement comme les monastères qui sont vides. Eh bien, dit Seigneur, c'est atroce, eh bien nous ne voulons pas être une communauté comme ça, il faut être vigilant. Hein. Bon. Et ça, c'est l'amour qui nous mettra les uns avec les autres, et puis surtout avec tous les autres du monde entier. Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens, viens nous embraser, viens nous libérer. J'ai rencontré Pierre par l'intermédiaire d'un de ses amis anciens, le père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame. Nous avons été invités à un week-end du 11 au 13 février 72 à Troussure, qui était la maison de prière qui appartenait au père Caffarel, pour entendre le témoignage d'un couple, Xavier et Brigitte Le Pichon, qui revenaient des États-Unis où leur vie, avec la rencontre du renouveau charismatique, avait été complètement renouvelée. Et à la fin du week-end, les uns après les autres se sont levés, moi aussi, Pierre Goursat aussi, je ne sais pas ce qu'il a dit, et nous avons demandé l'effusion de l'esprit. Et là, il a découvert la dimension fraternelle. Et il y a cru. Il a cru que c'était vraiment un don de l'Esprit-Saint. Que l'Esprit-Saint unissait les personnes entre elles pour les envoyer. Pierre a invité un certain nombre de jeunes qu'il connaissait pour présenter cette nouvelle Pentecôte. Et j'ai été invité parmi ces jeunes. On était peut-être une 20, 30 jeunes. Et c'était, autant que je me souvienne, en mai 72.
Et à la fin de ce témoignage qui m'a touché, mais à l'époque j'étais quand même très très en retrait par rapport à la foi et très intellectuel, ça m'a à la fois beaucoup touché et en même temps je me suis dit c'est trop beau pour être vrai. Enfin, je veux dire, c'est un scénario à l'américaine. Moi, qui m'eût dit que j'allais avancer avec Pierre d'une façon tellement simple et tellement évidente, alors que vraiment nous avions 30 ans. Je n'ai même pas réalisé que nous avions 30 ans de différence. Et je n'ai même pas réalisé qu'il m'intimidait beaucoup une heure avant et que 3 heures après on était frères et sœurs comme ça, sans même se poser de questions. 5 mois plus tard, nous étions 50. Et à ce moment-là, il a fallu qu'on se sépare en 2 groupes. Et Pierre disait, mais il faut vraiment qu'on ait un nom, parce que si on se divise, c'est pas parce qu'on s'entend pas, on s'entend très bien, c'est le même groupe, mais c'en est deux, à 2 lieux différents, mais c'est la même chose. Donc il faut qu'on ait un nom commun qui montre que nous sommes les mêmes. Et nous avons reçu le nom d'Emmanuel. Ce n'est pas ni Pierre ni moi qui l'avons reçu en premier. Par contre, nous l'avons reconnu. Et ça, il y a eu une unanimité pour dire oui, c'est ça. La péniche a commencé bien avant, ou en tout cas avant le début du groupe de prière. Et quand il a réuni un certain nombre de jeunes dont j'étais, c'était d'abord pour bricoler, pour remettre en état cette péniche, c'était une simple barge sans rien, etc. Dont l'objectif premier n'était pas du tout de faire une communauté ou un lieu, c'était un centre d'accueil, de prévention contre la drogue. Alors, on va aller dans le bureau du modérateur. Alors. Alors, tu regardes, c'était pas du tout comme ça. Alors, du temps de Pierre, ça c'était sa chambre, son bureau, sa salle à manger, son lieu de travail. Donc tout de suite, c'est devenu, le centre de la communauté, parce qu'il y avait quelques bureaux, et on serrait un petit peu, et tout s'est fait là pendant longtemps. Oui, voilà, mais c'est vrai que par rapport au parc de... Ce crucifix-là, qui a toujours suivi Pierre, nous avons décidé à la mort de Pierre de le donner au modérateur. Mais il va de modérateur en modérateur. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont responsables, ils ont ce crucifix et ils le passent au suivant. Donc aujourd'hui, il est à Laurent Landette. Dans la communauté, j'ai découvert cette joie, cette espérance, ce feu, et ça a été pour moi comme si un manque était comblé. Quand j'arrive dans un pays, on passe quelques heures avec des membres de la communauté, et malgré cet éloignement géographique et puis le fait qu'on ne se soit jamais vu auparavant, eh bien on se reconnaît tout de suite comme frères et sœurs, oui vraiment. Et je trouve que c'est très émouvant parce qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. J'aurais pu découvrir ça dans un pays et puis dire bon, mais c'est bien que ça soit en Pologne ou en France ou en Asie ou en Amérique, mais c'est partout. Et ça, et pourtant, on n'a pas de stratégie vraiment de fondation, comme, mais en même temps, c'est très émouvant de voir que c'est donné. C'est donné comme par grâce. Pierre, pendant sa vie, et surtout depuis sa mort, est quelqu'un qui est aimé, qui est prié par un grand nombre de personnes. Et là aussi, c'est quelque chose d'attesté par le nombre de personnes qui vont en pèlerinage sur la tombe de Pierre à Paray-le-Monial, des personnes qui l'ont connu de la communauté, des personnes qui ne le connaissent pas, et le nombre de faveurs, de grâces qui sont dues déjà à la prière et à l'intercession de Pierre Goursat. Sabía leer a través de la... Tenía un gran discernimiento y que a través de mirar a la persona podía leer su alma, decían los hermanos Juan y Cecilia Combe. Entonces cuando yo lo abracé en Paray-le-Monial, lo primero que hice fue verlo directo porque yo decía, si él descubre todo lo malo que yo llevo, va a pedirle al Señor por mí, para que me sane de que yo no soy una buena persona, que me, como tiene ese discernimiento.
Ascension devait accoucher par césarienne. Et à la suite d'une erreur médicale, elle s'est retrouvée complètement paralysée. Le 25 avril 91, un mois jour pour jour après la mort de Pierre, Concession qui souffrait beaucoup donc était dans son lit, elle priait comme toutes les nuits, et à ce moment-là, elle a vu Pierre en songe. Puis elle a essayé peu à peu, elle a fait quelques pas et elle a commencé à marcher quasiment normalement. Et quand elle disait à son mari, eh bien je marche, son mari disait, bah, c'est bien, tu marches. Pero cuando me vieron, yo les dije, bueno, vengan a tomarse esta sopa, porque yo camino, aquí está pues, vean que yo camino. Y lloraron, saltaron. Quand on adore, quand il y a cette compassion pour nous, eh bien c'est ça le feu. Le feu commence à prendre l'adoration, avec le soufflet de forge là, il se développe au contact des autres. Si on a vraiment ce feu en soi, eh bien on fout le feu à tout le village, quoi, à tout. Il suffit d'un endroit quelconque où quelqu'un est là pour aimer Jésus, pour aussitôt les gens accourent. Ils ont tous besoin de brûler, l'homme est fait pour brûler. Alors c'est ça, mais vraiment, il y a cet amour, vraiment adoré, adoré, adoré. Pierre, qui s'était converti à 19 ans en 1933, a eu quasiment 40 années de préparation spirituelle avant l'effusion de l'esprit qu'il a reçue en février 1972 avec Martine Cata. 40 années de préparation. Il se disait, en restant laïque, consacré dans le célibat dans le monde, ce qui était bon... Pas une vocation tellement reconnue à l'époque, je pourrais me donner au Seigneur dans l'adoration et dans l'évangélisation, et je serais beaucoup plus proche des gens. Car si je suis prêtre, je suis à l'époque surtout de l'autre côté de la barricade. Pierre était quelqu'un qui était très, très enthousiaste, mais qui étudiait, qui avait beaucoup étudié le contexte de l'Église en France et ailleurs, et donc, comme beaucoup d'autres à cette époque, il attendait vraiment cette nouvelle Pentecôte que le pape Jean XXIII en particulier avait invoquée en ouvrant le Concile Vatican. En 1976, c'est aux États-Unis qu'il y avait le plus de communautés charismatiques, comme on disait, catholiques, mais aussi surtout avec des protestants. Et donc l'idée de Pierre, c'était là aussi, toujours très très incarné, d'aller rencontrer les gens. Et donc on avait organisé, mais c'était pas rien, deux charters différents, à deux époques différentes pendant l'été, pour habiter, vivre, rencontrer les communautés américaines. En tout cas, pour Pierre, ça a été décisif. Ce voyage aux États-Unis, on pourrait dire, lui, il savait très bien ce qu'il allait faire, mais non. Ça a été décisif parce qu'il a vu dans cette communauté des gens qui priaient. Il a vu qu'il y avait entre eux une grande charité fraternelle. Il a vu qu'ils posaient des choix dans leur vie, des choix dans leur travail, pour ne pas suivre le monde, mais pour avoir du temps réservé à la prière, aux œuvres apostoliques, etc. Et puis un autre point aussi, certains parmi eux étaient en communauté, mais non résidentielle, ne vivaient pas tous ensemble. Et il s'est dit, mais voilà, il n'y a rien qui nous empêche de commencer. Et d'être en communauté non résidentielle, c'est quand même une solution pour Paris. Et en 76, donc Pierre et Martine ont décrété, si j'ose dire, cette première retraite communautaire qui devait avoir lieu pendant 3 semaines, mais qui était tellement intense qu'elle a duré que 2 semaines, je crois. C'est-à-dire que, et là encore, on était la plupart travaillés ou étaient étudiants. C'est-à-dire que tous les soirs après le travail, on se retrouvait de 18h30 à 22h dans un lieu à Paris pour prier, pour partager, et chacun à notre tour, enfin du moins certains d'entre nous à qui Pierre l'avait demandé, donner des enseignements qui étaient tirés de ce qu'on avait reçu des États-Unis, mais réadaptés, réinterprétés à notre façon. Et au bout de 2 semaines et demie, pas 3 semaines, la plupart ont dit, nous on veut une maisonnée, on veut un accompagnement, on veut... Et la communauté s'est structurée telle qu'elle est aujourd'hui. Les choses évoluent, mais si tu veux, sur le fond, c'était fait à ce moment-là.
Je savais que Pierre Goursat, quand il a vécu la première expérience de l'effusion, quand il s'est relevé, il a vu aussi, je crois, Martine. Il l'a reconnue comme sa sœur et elle, lui, comme son frère. Et je me dis, oui, bon, c'est une amitié. Mais non, c'est plus que ça. On est des frères et des sœurs. On est des chrétiens qui sont compartimentés. Alors, moi, j'ai ma vie chrétienne, j'ai mon sport, mes relations, mes amis. Et c'est insupportable, c'est étouffant, ça. Mais le Christ, il s'intéresse à ton sport, il s'intéresse à tes amis, il s'intéresse à ton travail, il s'intéresse à ta famille, il s'intéresse à tes loisirs. Est-ce que tu es prêt à le mettre là-dedans? C'est ça, l'effusion de l'esprit, ça. C'est que toute ma vie est informée par le Christ. Et que donc, je ne fais plus de compartiment, mais toute ma vie, du coup, est offerte. Et donc, je suis missionnaire dans tous les lieux de mon existence. Comment on va répondre à ce défi missionnaire? Enfin, qui est l'annonce, au fond, que le pardon est possible, que la vie a un sens, qu'on est aimé et aimable, que le pardon est donné, c'est ça. Et à tous, et beaucoup de gens sont tellement malheureux parce qu'au fond, ils ne le savent pas et qu'ils ne savent pas comment faire. Et c'est ça que nous voulons annoncer. Mais je pense que ça passe par l'œuvre missionnaire de chaque baptisé. On pourra mettre au point des stratégies, des œuvres géniales. Et souvent, on attend l'œuvre géniale ou le gars génial qui va nous montrer le truc qui fonctionne bien et qui va nous amener automatiquement des gens dans l'Église. En réalité, il n'y a pas de truc. Sinon, le chrétien absolument saisi par le Christ, qui n'a qu'une envie, c'est de partager ça à son copain d'à côté. Vraiment, ce soir, nous voulons rendre gloire au Seigneur, car il est vraiment notre Dieu. Il veut vraiment qu'aucun d'entre nous ne reparte de pareil sans qu'il l'ait rencontré comme son Seigneur et son Dieu, le Dieu de l'amour et le Dieu de la joie. La double vocation de la communauté, surtout au début, mais c'est encore vrai aujourd'hui, c'était à la fois de catholiciser le renouveau, surtout au départ, parce que le renouveau était d'origine américaine et donc protestante. Et donc, sans avoir rien contre le protestantisme, il est clair que Pierre et d'autres, on avait tendance dans la forme de la prière, dans des formes de gouvernement, à prendre des choses qui ne sont pas du tout de la culture catholique. Et Pierre a tout de suite vu comment, en étant nous-mêmes, on pouvait, en mettant à la place de l'Eucharistie, de la Vierge Marie, catholiciser le renouveau charismatique international, mais aussi, si je dis, rendre plus charismatique l'Église entière. C'est-à-dire faire en sorte que l'expérience de l'effusion de l'esprit ne soit pas perçue comme réservé à quelques-uns, des initiés, mais pour tous les baptisés. Alléluia, alléluia. Pierre a été en première ligne. C'est sa relation avec le Seigneur qui l'a fait tenir et qui lui a donné cette force extraordinaire pour aller de l'avant. Il n'y a jamais eu de plan disant voilà ce qu'on va faire. C'est les événements qui ont enchaîné les choses. Pierre en avait confiance, mais le cardinal Swenens, qui a très bien connu la communauté. Cardinal Swenens est décédé maintenant, un cardinal belge, a été l'un des quatre modérateurs du Concile Vatican II. Et il voyait très bien dans le renouveau charismatique catholique en général, et dans les manuels en particulier, ce qu'il appelait un prototype, ce qui allait permettre de mettre en œuvre concrètement la vision nouvelle Vatican II, l'importance de l'Esprit Saint, des dons et des charismes. Et c'est le cardinal Swenens qui a fait insérer dans le Concile la mention des charismes qui n'existait pas. Cette dimension de l'appel à la sainteté pour tous, du peuple de Dieu, et du rôle particulier des laïcs en lien avec les autres vocations. Du Vatican, puis de nombreux diocèses, se sont mis à éclater les jugements les plus enthousiastes sur le renouveau. Certains grands théologiens ont reconnu leur tort en prétextant des erreurs de langage ou d'interprétation excessive de phénomènes. Et Pierre riait de tout son cœur. Perdu globalement, à part quelques communautés religieuses, l'intérêt de passer de longs moments à l'adoration dans le Saint-Sacrement. Aujourd'hui, même dans un diocèse comme le mien, c'est pratiquement courant partout. Une majorité des paroisses ont des temps d'adoration proposés à tel moment de la semaine, même dans certains rassemblements de jeunes, aujourd'hui c'est acquis. Et ça, c'est clair que cette redécouverte est due pour une part à
donc à l'Emmanuel, mais alors Pierre Moussa y est pour beaucoup, c'est clair. C'est ce que disait le canal 23 de lui, il disait, c'est étonnant ce fondateur, il a fait tout ce que les autres ne faisaient pas à un moment où on disait qu'il ne fallait pas le faire. Et je pense que l'une des vocations de l'Emmanuel, je ne dis pas que c'est que elle, c'est de faire des propositions missionnaires, parfois simples, mais que d'autres peuvent reproduire. L'histoire biblique, c'est une histoire de nomades et de sédentaires qui se rencontrent, qui se frictionnent, mais qui avancent ensemble. À travers la communauté, ce qui m'a toujours touché, à travers Pierre Goussard, à travers la communauté, c'est qu'ils ont venu nous rejoindre dans notre culture. C'est le Seigneur qui vient nous rejoindre dans notre culture. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'est pas évident. Moi, comme nomade, j'ai besoin de mes frères sédentaires pour que je puisse être, je dirais, à la fois... chrétien, tout en respectant ma mentalité de manouche, de gens du voyage, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça rejoint vraiment l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui vient nous rejoindre dans notre vie, dans notre culture. Et alors, il est arrivé avec son vélo, incognito, au fond de la foule, là-bas. Il était comme heureux, de loin, un peu comme un père qui... Voilà, ou comme un berger, je dirais presque. Un berger qui contemple un petit peu son troupeau de loin et qui est heureux parce que ben, son troupeau est en train de brouter là, un peu, hein. Le renouveau, c'est pas hier. Le renouveau, c'est pas il y a 40 ans. Le renouveau, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, ici. Voilà. Et dans cette espérance que Dieu donne à chacun, que l'Emmanuel, Dieu avec nous, est du côté des hommes. Parallémonial, pour moi, c'est permettre aux personnes de faire cette expérience de Dieu et nous-mêmes d'être des instruments pour leur dire « Vous êtes la personne que Dieu aime ». Et puis, vous avez des gens qui viennent vous dire « Dieu a changé ma vie. J'ai découvert Dieu dans ma vie et je ne vais pas repartir pareil. » Voilà. Non, c'est, effectivement, c'est Dieu parce que c'est pas nous, quoi. Si on fait tout ça, c'est pour arriver à quoi? Eh bien, c'est pour arriver à la prière continuelle. Bon. Alors, la prière continuelle, naturellement, il ne faut pas se tendre, il ne faut pas avoir de tension. Mais... tout naturellement, tout surnaturellement, naturellement, le Seigneur fait que, finalement, puisqu'on pense à lui tout le temps, les amoureux, ils font leur travail, mais ils pensent tout le temps à l'autre, sans arrêt. Alors, eh bien, nous, on pense toujours, on est amoureux de Jésus. Et puis, petit à petit, on pense à lui. Alors, dans le métro, eh bien, on fait son chapelet, voilà, on loue, enfin, oui, bien le truc. Alors, c'est bien qu'on arrive avec une gueule réjouie quand on rentre, on voit les frères, ça commence à marcher un peu mieux. Et puis c'est vrai, c'est une joie continuelle. Je pense aussi chez lui, peut-être ce qui est le plus étonnant, c'est le passage à l'acte. C'est-à-dire que c'est pas seulement « prie », mais « comment tu fais pour prier ?»« Comment tu fais concrètement ?» C'est pas seulement « il nous faut évangéliser, avoir un zèle missionnaire », c'est « on va le faire », quoi. Le passage à l'acte. Et je vois bien que... souvent, nous avons des grands élans, nous parlons beaucoup, vous savez, dans l'Église, on fait beaucoup de réunions. Et on a beaucoup de mal à concrétiser parce que on ne sait jamais le moment, on n'a pas les moyens. Et chez Pierre Goursa, c'est « on y va ». Et il avait ce propos qui revenait souvent dans sa bouche, c'est « avance, avance, avance ». Pierre donnait, par son attitude, la radicalité. Donc il nous appelait, mais il nous tournait vers le Seigneur. Donc on n'imitait pas Pierre, en fait. Voilà, on n'imitait pas Pierre. Pierre nous montrait que le Seigneur était tout pour lui et qu'il pouvait être tout pour nous, que lui, ça se passait par ce chemin-là et que nous, il fallait voir quelles étaient
les choix de pauvreté, les choix de détachement qu'on avait à faire, mais pas par imitation, mais par stimulation à vivre avec le Christ. Je crois que cette liberté intérieure qui était étonnante de Pierre, cet humour qui n'était que l'expression d'une très grande liberté intérieure, qui choquait parfois les gens, qui surprenait en tout cas. Il était le même avec un évêque, avec un cardinal ou avec le clochard du coin. Il avait la même dégaine, la même allure. Il mangeait sa biscotte dans l'ascenseur, son yaourt dans la voiture, parce qu'il avait simplement besoin de manger pour tenir le coup. Et il s'en excusait quand c'était un hôte éminent. Mais il avait cette simplicité qui a touché tous les gens et cette liberté de ne pas se prendre au sérieux. Et je pense que, en tout cas moi, il m'a beaucoup appris, je pense à d'autres, justement, qu'on pouvait faire beaucoup de choses en apprenant à compter non pas sur ses propres forces, mais sur le Seigneur. Moi, je crois que le monde a besoin d'hommes courageux. Notre monde, aujourd'hui, a besoin d'hommes courageux, d'hommes et de femmes courageux, vraiment qui se donnent, qui n'ont pas peur, quoi, qui sont libres. Ça, je crois que... Et moi, je vois dans la figure de Pierre, cet homme-là. Il priait partout, Pierre. Hein? Il priait dans son lit, il priait partout. À la messe, il se mettait souvent ici, dans le premier rang à gauche. Et en fait, le soir ou la nuit, il priait dans l'oratoire. Il a continué, lui, à venir à l'oratoire. Voilà. Là, nous sommes tout à fait au fond de la péniche. Et ça reste un lieu très particulier de prière, d'adoration. Alors, vous voyez, il y a le Saint-Sacrement de ce côté-là et il est de l'autre côté. Ça, c'est depuis l'origine. C'est super, je trouve. Il est... Tu vois, c'est ça, Pierre. De la fantaisie, l'originalité, le sens pratique en même temps. Tout d'un coup, il y avait un moment très émouvant. Il s'est levé de sa chaise et il s'adresse à moi. Il me dit, Yves, tu comprends, il n'y a que l'humilité. La seule porte d'entrée de la vie chrétienne, c'est l'humilité. Il n'y a que l'humilité. Il était très ému, moi aussi, pour être très honnête. Et puis on a terminé la messe comme ça, et je ne l'ai jamais revu vivant. Cette fin de sa vie, bien qu'il vivait sur la péniche, entouré d'un nombre de personnes, ben forcément, d'abord il était beaucoup plus fatigué, il était aussi beaucoup plus seul. Quoi. Et donc je crois que c'est aussi un mystère que Pierre, pendant quelques années, un peu comme le grain de blé retombe en terre, très discrètement, voilà, il tombe, il meurt, et c'est parce qu'il meurt qu'ensuite il peut porter du fruit. On imagine toujours un fondateur avec tout le monde autour de lui. Quelle va être sa dernière parole? Qu'est-ce qu'on va pouvoir garder? Quel testament spirituel? Pierre est parti tout seul. Et il avait reçu à 9h du soir, des frères, après son dîner, étaient venus lui porter la communion. Il n'avait pas eu la force, il était trop trop fatigué d'aller à la messe. On lui a apporté la communion. Et après, il a voulu être tout seul. Il n'a plus vu personne, jusqu'à son arrivée au ciel. Il ne voulait pas me déranger. Il ne voulait pas me déranger. Et il est parti. Je venais d'aller accompagner les enfants. Tu vois. Et une sœur l'a trouvé pour son petit déjeuner un quart d'heure après. Il rendait son dernier souffle. C'était le 25 mars 91. Voilà. C'était le jour de l'Annonciation. Et en même temps, le lundi saint cette année-là. Des sources de la vie spirituelle de Pierre Boursin, c'était l'humilité. Et le fait qu'on doive recevoir les uns des autres sans arrêt la mission et donc la sanctification de la mission, c'est toujours accepter qu'on n'est pas le centre. Et ça, ça nous garde. Vraiment, c'est comme une espèce de pédagogie de Dieu pour nous dire, bah, écoutez, vous êtes géniaux ensemble, mais quand vous êtes seul, c'est moins bien. Quoi. Donc faites-le ensemble. Et du coup, ça nous apprend à mesurer que voilà, je dois aussi m'effacer devant mon frère et ainsi m'effacer devant le Seigneur. Bon, alors tout ça, je ne vous ai pas appris grand-chose de plus. Je vous l'ai quand même dit, parce qu'il faut quand même savoir à quoi on s'engage. Mais l'essentiel, c'est l'amour. Hein. C'est vraiment savoir que Jésus est vivant, qu'il nous appelle, qu'on veut se donner à lui, qu'on veut sauver le monde par la croix avec Jésus, et puis qu'on est heureux de l'aimer. Voilà, c'est ça.